Et voilà. Bienvenue sur la chaîne Twitch.tv de Renard Gamer ainsi que sur Mixeux.com le Renard Gamer et aussi YouTube le Renard Gamer. Je suis Richard, votre hôte, et je suis ce soir. Je joue Far Cry New Dawn encore. Et ce, jusqu'à, ça devrait être la soirée. La dernière soirée parce que ce mercredi. Je commence à diffuser de Division 2. Le nouveau jeu qui vient de sortir, j'ai reçu un code de Ubisoft. Merci beaucoup Ubisoft. Comme j'ai reçu un code pour Far Cry New Dawn, pour le tester devant vous et vous le montrer. Malheureusement, il n'y a plus personne qui regarde. Ben écoutons, c'est pas grave. Mais j'ai bien du fun, je vais faire quand même une critique vidéo sur YouTube. Qui sera aussi liée dessus... Factor Geek, en tout cas, permettez-moi de le faire, s'il vous plaît. J'écris quand même des critiques pour Factor Geek. Et puis donc, on continue aujourd'hui, et on va utiliser mon super arme dévastatrice, c'est-à-dire Horatio. Mais qui est Horatio, hein? C'est mon super sanglier de guerre. Il est fort. Enfin, on va voir ça un tout petit. Je pense que je devrais reculer. Je suis un petit peu trop avancé. Ajuster mon micro. C'est bon. Je voudrais que je me mette un petit peu plus d'éclairage, je pense. Ah, je suis là. Prosperity serait en ruine si t'avais pas été là. Hein? Il y a des œufs? Où le petit cochon? Le petit cochon. Il est un peu gros, Horatio, hein? Mais il est gentil. On va le caresser. Hein, Horatio? Ouais, t'es un bon sanglier, ouais. Tout le monde dit, hé, le cochon. Au moins, ici, ils disent ce cochon parce que. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, juste? Les affaires que j'ai pas trouvées ici. On va aller voir. Ici, on faisait une expédition aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore debout. On a pris un coup, puis maintenant, on n'a plus qu'à se relever pour frapper plus fort, comme Rocky. Canal fumigène. Ah, tiens. Tu peux pas y parler? J'aimerais que mes bombes soient roses. Non? Je sais pas. Eh oui. Pas tout looté, ça. Des ressorts. Du tape. Tranche, pourquoi ça traîne ici, ça? Ouais, ce que je donnerais pas pour une bonne bière fraîche. Fraîche, ouais. Dans ce coin-ci, c'est peut-être un peu difficile, la bière. J'ai pas tout looté, l'endroit. Tu sais, des recoins que j'ai pas été regarder dedans. Il était pas supposé avoir une petite faudrait que j'aille visiter. Il y a sûrement quelque chose dans le fond là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Horatio? Il y a pas ça que je m'éloigne, on dirait. Il m'observe, c'est con. C'est tout dévasté ailleurs, c'est étrange.
plein d'endroits où est-ce qu'il aurait pu rentrer. Ok. Ah ouais, je t'aime bien, Ratio. J'ai vu qu'il y a du supply qui traînait. Ici. Il y a plein d'affaires que j'ai pas regardé ici. Je pense que j'ai jamais une mission. Allez, on va aller par là. On a un beau tas. Bon, est-ce qu'on fait une mission? Ah, j'ai pas d'hélicoptère. Casseur d'os. Ok. Je peux conduire? Non, pas tout de suite. Du buff. Du bison. Non, la peau de taureau. Je sais pas pourquoi il marque ça, non. Bon. Fait que je pourrais prendre un hélicoptère, puis... D'accord, d'accord, on va s'en aller quelque part, là. Bon, on part sans rien, pas mal, c'était quoi, ça? Pack de loup, ok. C'est haut sur 3. Aiguille à la brute. Saut sur 3. Ça serait bien que je fasse l'expédition. Parce que là, à date, là. Quoi ça? C'est comment enterrer, là? C'est un gros territoire, pareil. Il faudrait que j'aille. C'est quoi ça? Trouve ma mission annexe. Sharky. Faudrait que je rejoigne Sharky. Ce coin-là, j'hésite à y aller parce que je suis pas encore assez fort. Faudrait que. Que, c'est quoi ça? C'est le Boltas? Bateau. Grotte de la joie. Si on allait là. Ça c'est quoi qui est là? J'ai pas intention de chasser, mais. Oups. Désolé, désolé. Ah. Désolé, désolé. Je m'excuse. Je m'excuse, Horatio. Il a pas aimé ça, quand. Non, mais il a vraiment pas aimé ça. Je pense qu'il était prêt à me charger. Grotte de la joie. Il me semble que j'avais vu pas mal de monde. Au secours.
Ils sont où? Attends, hein? Ils sont où? Je croyais avoir fait la paix avec la mort, mais apparemment, non. Des espèces de petits lapins radioactifs. C'est clair. Salut, jeune fille. Qu'est-ce qui te tente? Si on était resté entre nous, on n'aurait pas tous ces problèmes. On se construisait des toits, on recommençait à cultiver nos terres. Faut que le nouvel Eden nous aide. J'ai vu ces élus se battre. Et bon, ils nous aident déjà. Hello, gang. Ils vont plus nous laisser tranquilles. Hello, madame. Grotte de la joie. Les deux sur trois, ce qui est le troisième. Y'a rien d'autre? Les autres sont là, de la ferme. Il devrait me protéger. J'espère. Ouais, l'endroit que je voudrais aller d'ailleurs. Ouch. Ça mène où ça? Yo. Tu penses pas l'avoir eu. Qu'est-ce qu'il a renversé là? Pourquoi t'as tué mon beau? Une dinde. Une dinde luminescente. Bon, eh oui. C'est amusant de juste se promener de même. You sapa. Un autre. Je regarde au cosmos. C'est beau pareil. Et si on se pêchait un peu de poisson? J'ai jamais fait ça.
Y a-t-il un endroit spécial où est-ce qu'on peut aller ici? Si, y'a quoi? Sidecar. Voyons voir. L'ours noir américain. Assez dangereux. Ça, c'est à moi, ça? Sur 6? Attends, si je me mets là, puis je m'en vais faire un raid ici. Ça serait peut-être une bonne idée, ça. Ou je m'en vais chercher pour Sharky Beauchamp. Salut, c'est Sharky! Comme je... Les Cry est plus proche de où est-ce que... Je pourrais partir. Ah, je peux pas partir de là? Damn! Ok. À mon poste. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est Mitraille. Ok. Je peux peut-être partir d'un. Non, même pas l'expédition. Ah! Faisons une expédition là. On va faire une expédition parce que sinon j'avancerai jamais. Bon, pour une expédition par contre, j'irai avec. Avec qui j'irai? Nana, peut-être? Elle est freaking dangereuse, elle. C'est silencieux sur tout, n'importe quoi. Pas longtemps que j'ai pas été avec Carmina. Carmina. Comme si on avait agrandi un abri. Je suis en chemin. Ouais, on est là. Je suis prête à y aller. Ah. Je peux pas faire de déplacement. Il faut l'éthanol. La personne que je préfère ici, c'est Kim. Non, je sais bien qu'elle est mariée, alors je m'approche pas trop, parce que j'ai du respect. Mais entre nous, je suis jaloux de ce gars-là. Kim est tellement belle, puis puissante dans son attitude, là. Bonjour. Ouais. Salut. Ah. Ouais. Ah. Le macourbé. Le macourbé. Hein? Ça sent. Let's go. Ça faisait quoi ça? Si je fais. Vas-y, on fait ça. Je m'en fous. Faisons une expédition. La première que je fais, Edman. On voit si j'ai... HMS MacCourbré. D'accord.
Bon, on est plus à l'abri ici. On est plus à l'abri. Les rongeurs viennent de s'emparer du bateau. On a une chance contre eux. Les autres peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Faut qu'on s'en aille. Si vous êtes avec moi, suivez le chemin derrière la maison. J'ai un bateau prêt à partir, mais je veux pas attendre éternellement. Je pense qu'il est parti sans bateau. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Voyons voir, qu'est-ce qui est par là? It's a long way to there. Ça, c'est bas, ça. Il y a même des véhicules dessus le deck. D'accord. On va aller voir par là. Il y a un bateau. Killer. Killer whale. Damn it. Je vais me gaspiller les flèches, moi. King's in. Alors voilà pas l'arme la plus discrète à mon avis. Ça sera plus l'alerter, ça.
Merde, il va voir la flèche. Pour l'attaquer de là. C'est vrai, cet escalier mène directement au deuxième pont. Suivez la passerelle et vous atteindrez la cabine du capitaine. Le colis, il est où le colis hein? Ah, quelque chose dessus. Je bouge. Une fois tout près d'eux, ces snipers là.
Oui, sur le foutu colis, hein? Je suis le capitaine, ici le capitaine du pousse-merde. Yeah right. Après un combat long d'au moins plusieurs minutes, on a réussi à chasser la vermine. On en a même écrasé une poignée. Je suis fier de dire que ce navire a désormais le territoire des ravageurs. Fini les routes sans fin, fini les emprises temporaires en carton ici. C'est chez nous. Et on va faire en sorte que ça reste. On va commencer à renforcer la zone, poser des ponts et des tirelaines pour qu'on puisse rejoindre la côte. Et pour finir, installer des amplis, des haut-parleurs et une cabine de DJ dans la cage d'ascenseur. On va fêter ça. Ouais, d'accord. Cette cage. Quand Denis aura soudé une porte sur cette cage, on se servira de la zone pour stocker notre matériel. Si vous déterrez un truc intéressant, rangez-le dans le coffre de côté. Personne n'inquiète que je tue du monde. Non, 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 descends pas, descends pas. Je veux juste voir. You. Ah, il est encore en dessous. Bon, ben, allons-y. Est-ce qu'il y a une voiture? Non, il n'y a personne. C'est qui le barking qui conduit la voiture? Ah, je le vois. Canadien dans le coin. Qui fait quoi, je sais pas. Mais il est où? Il était peut-être en bas là, c'est pour ça. Voilà un piège. Je peux pas rester, je bouge. Oh Michel, là-bas. Pas être seul. Je vais par là-bas. Ouais, colis. Ah,
J'entends le bip en tout cas. Qu'ils sont. Je les ai vus qui se battaient tout à l'heure, ils sont où? Ça, c'est trop facile. C'est un bon endroit pour fuir ça. Si j'ai à courir quelque part, c'est là que je vais aller. Mais... les voitures en haut, c'est une bonne idée pareil. Colin, ça a fait du bruit ça. Vous trouvez quelque chose d'utile? Peut-être. Sans trop de problèmes.
cette fois-ci. Promis, je te passe à la peau de Charoua dès qu'on arrive. Non mais, à la peau de Charoua. That was an excellent mission. Oh way. Tu pourras l'avoir le niveau 2 là de l'expédition. That nice. Voilà, t'en veux encore, c'est ça? Ah, passer d'éthanol. Faut qu'on se protège les uns les autres, maintenant plus que jamais. Eh oui, nous y voilà. Asti que t'es cool, toi. On les a eu, les trous de cul. Bande de caves. Ok, c'est ouais, bon, trous de cul. Juste un truc sur les ravageurs. Quand on les chasse, ils reviennent toujours plus fort. Je l'ai vu de mes yeux. Alors, si ça te dit de te refaire une forteresse, c'est possible. Mais ils feront tout ce qu'ils pourront pour nous compliquer la tâche. Mais sinon... on peut aussi aller ailleurs. Ah, regarde ça. Les ravageurs ont pris le contrôle du seul pont qui tient encore au-dessus des canyons au sud-ouest. Ils attendent que les gens traversent, puis là, bam! Ils leur tombent dessus pour leur faire les poches. Chez nous, on dit que quand on se fait avoir, on se fait fourrer. C'est vraiment le bordel. Tu veux que je t'explique mon plan? Ben, il n'y en a pas, OK? On leur prend tout ce qu'ils ont, comme ils prennent aux autres. Puis c'est tout. Merci, bonsoir. Excellent. Alors à toi de me dire, on retourne au navire de guerre ou on part pour le pont Navajo dans ma grosse patate? Je te laisse choisir. Tout allait presque bien quand ces types masqués débarquent. Bon, si je peux fabriquer quelque chose que... Niveau 3, hein? Ça, il manquait des circuits imprimés avant. C'est lui que je voulais faire. Je peux le faire en plus. Et voilà. On va le mettre à la place de lui. Magnum Guerrilla. Et là, je peux plus fabriquer rien. Ça m'a tout pris, ce qu'il me fallait. Pas grave, au moins j'en ai un niveau 3. Il va falloir ça ici. Pour un maximum de dégâts, ouais, il va falloir ça. Je peux pas le fabriquer. On n'est pas contribué par ici. Nice. Bon. Compter, on s'en fout. Tu fais, on s'en fout. 1 sur 10. Ouais. Je pense qu'il faut que j'aille plus loin. Hein? J'aurai pas le choix d'aller plus loin. C'est trop pire, pareil. J'ai... Il me faut plus de. Là, je pourrais peut-être aller là. Puis mettre là. Non, il faut vraiment que j'aille chercher de l'éthanol. Ok, d'accord, d'accord. C'est toi celui-là. C'est le plus proche que j'ai. Ici. Pour moi, je me suis gardé des déplacements rapides. T'as su garder ton calme avec le nouvel Eden. J'ai hâte de changer. Enfin de la musique avec un vrai message. Non, véhicule. On va y aller avec ça.
Es-tu rentré? Ok, je suis là. D'accord. Ça fait une belle patate. C'est quoi ce chien là? Non, pas de bonne idée. On va looter. Attention, ennemi droit devant. Chut. Gotcha. J'ai connu pire. J'ai connu pire, moi aussi. C'est bon, on y va. Qu'est-ce que c'est ça? Une grosse vache? C'est quoi cet endroit-là? L'âme de l'Orna. Il revient pas? Non? Ok, bon. J'ai de balle de ça, moi. J'ai pas trop regardé. Ça a l'air trop intact. C'est comme. C'est quoi qu'il y a ici? Bravo. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui s'est passé? J'ai cru que j'étais foutu. Il y en a un en haut, je peux pas aller chercher. Je suis sûr que ça finira par servir. Oui, ça sert tout le temps quand je vous réanime, on dit. C'est bon, en avant.
est tout proche. 450 mètres. Ça, c'est quand même plus loin que je pensais. C'est parti. Je pense qu'il y avait des grenades. Pas mitraillé. Je suis touché. À l'aide. Chut. D'accord. Attention, il y a un ours. Ben oui, t'es. Ça vous aidera toujours. Deux ours de suite. Oh non! Mon véhicule. Il y a de la fumée là-bas. Ils sont attaqués? Une disquette s'impose. Non, pas ça. Non. C'est pas discret pour une scène, ça. Ils sont deux. Fuck. Non. Va-t'en. Sinon, ils vont venir après moi. Peut-être aller faire le tour. Oh, on bouge. Où est-ce qu'ils sont, tout le monde? Hé! Hey, c'est mal poli! Sois là, toi!
Ils n'ont aucune idée que je suis là. Yeah. C'est bon ça. Oh oh. Il y a un fort, t'es pas aussi fort que le dernier niveau. L'éternel coule la fleur, ouais. Si vous voulez entrer, la clé est près de la machine. Ethanol, je l'ai trouvé sur un des fermiers débiles qu'on a battu en arrivant. Je suis allé nettoyer le sang. Machine, Ethanol. Fait du bon boulot pendant l'attaque. Oh, je vais de tout, hein. J'adore le parfum de la vie. Sergent Boucheron, je voulais tous vous dire que vous faites du bon boulot et qu'on a dépassé tout le quota ce mois-ci. Avec tout le bois en plus, on va pouvoir se construire un autre bâtiment comme celui-ci de l'autre côté de la voie. Cet endroit sera bientôt très super chouette et c'est grâce bonjour, à vous. Madame. Ah, oui, c'est vrai. Non! Elle est comme passée à travers moi. Tranche. Ah, ok, ça vient d'ici.
Invaders ont débarqué. C'est vraiment des casse-couilles. Plus que des casse-couilles. C'est de plus en plus dangereux de couper du bois. Ah, ça. Gasoline. Excellent. Musique. Mais où est-ce qu'elle est cette clé? Certains d'entre vous ont l'air de s'inquiéter de l'approche des ravageurs. Alors je vous propose de préparer un plan d'attaque demain au cas où ils attaqueraient. Retrouvons-nous au baraquement après le travail. On étirera les détails. Si on a un plan, tout ira bien. Malheureusement. Malheureusement, ils sont venus. Hein? Je vais aller voir là-haut. Il dit... Plein de quoi? La machine à éthanol. Ça? C'est ça la machine à éthanol? L'attaque a pas l'air de t'émouvoir. T'as bien géré pendant l'attaque. Tous les endroits qu'on a visités. Alors, pillez mes petits salopards, pillez. Ah, ça. D'accord. J'adorais passer mes soirées près du feu. Et mon père racontait comment il volait dans le ciel. Parce que c'est pas faire l'autre, parce qu'à l'enfant l'autre, j'ai toujours un manque de... Si je peux récupérer un peu de cendre de l'incendie. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Très drôle. Tant que t'es survécu. Mais voilà, c'est autre chose. C'est quand même un gros baraquement, puis... Tout le monde a l'âme d'un bûcheron si on gratte un peu la surface, non? Merci d'être là pour nous protéger. Tu es capable? Je suis plein. Ok. Faites tout le tour. On a transformé cet endroit en camp de bûcherons. Et devinez quoi? Les ravageurs ont débarqué. C'est vraiment des casse-couilles. Le sursaut de productivité du jour vous est présenté par cette super chanson. Super chanson. Il y avait un jardin ici. Il y a quoi là-haut? Je vois les gens d'Eden qui sortent en... J'ai vraiment cru entendre un truc. Oui, je t'ai passé à travers. Non mais... Il joue aux cartes. Bon ouais. Go. C'est fun ça. Va falloir recommencer à planter des arbres. Bon. C'est bon ça. Je pense que j'ai tout ce qui... Tout ce qu'il y avait d'intéressant ici. Juste certaines affaires que j'ai pas encore regardé, c'est au bout là. Le coin trop exposé. Tout le monde a l'âme d'un bûcheron si on gratte un peu la surface, non? Ah.
Je vais changer de compagnon. Top scénario. Une armoire à fusil. C'est un bon point ça. Hein. Tiens, un caribou. Oh, caribou. D'autres caribous? Ok, bon. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais peut-être aller voir Sharky Bosha. Attends, c'est ça. Que j'aille prendre ça ici. Camping avant poste. C'est pas trop loin. Mais faut pas oublier pourquoi j'ai fait ça. Je voulais aller retourner à Possibility. Puis débloquer le voyagement niveau 2. Tu nous as bien aidé à Prosperity. Merci. Tout le temps. Avec juste mes deux experts, puis je vais atteindre l'autre niveau. Bon, et mes deux experts maintenant. Je peux voyager encore plus proche qu'avant. Comme ça. Le brouillard pour débloquer les déplacements rapides. Ok. Ça se situe assez proche. Je préfère partir de là, je suis pas trop loin. Quoi là? Un chalet perdu. Ok. Tu me parles de l'autre bord de cette affaire-là. Avec cette musique, le groove est en moi. Désolé, mais pas de musique. Va s'en sortir. Enfin, sinon le streaming serait bloqué. On va y aller avec une petite moto. Pareil, ça. Je gaspille tellement de motos. On va se mettre un point là, sur la map. Oh, merci Miao QC pour le nouveau lore. Comment ça va Miao QC? Je me suis installé dans une forteresse remplie d'explosifs. Non, 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 repose ça, petit gars, repose ça, je te dis. C'est très dangereux. Bon, c'est drôle, ça. Je sais que t'es mignon avec tout, mais c'est dangereux. Bon, vas-y, oh. Ok, je suis là. Pas plus rapide de l'autre bord, ensemble. J'ai réussi à coincer la moto. C'est drôle. Bon, plus facile, pardon. Ah. Ah. Bon jeu. Ah oui, c'est un très bon jeu. Je l'aime beaucoup.
Il s'en fait regretter de ne pas avoir joué plus tard. D'habitude, les autres disparaissent dans une fumée. C'est parti. Oh, je l'ai eu. Ok. Ou je l'ai pas eu. Où est son corps? Il est là. Je fais le pied. What? Qui s'en va avec mes affaires? Bon. J'adore sa flingue. Pas discret pour une miette, mais... disons-le, assez puissant. On est doué pour la mécanique dans la famille. Ah, voyons. J'ai marqué mon tournant. C'est moi, il y a des drôles de lumière par là-bas. Oups, je l'ai laissé en plan. Elle va me rejoindre. Ça arrive des fois. C'est bon, en avant. Danger. Sanglier monstrueux d'élite. Ah, ok. Je sais pas m'attaquer à ce sanglier. Je suis pas encore prêt à ça. Voyons. J'ai cru que j'étais foutu. C'est une petite boss, come on. Ah, ça mène nulle part. On va y aller à pied, je pense. Je préfère cette arme-là quand que je dois être discret. Ça pourra vous servir. Bon. Il semble que ça a pas l'air invitant, ça. Beau chat. L'attaque contre Prosperity a failli nous être fatale. On aurait pu tout perdre. La chance était de notre côté cette fois-ci. Je vois personne. Qu'est-ce que je vois personne? Faire le tour, tout gentiment. Château Beauchot, l'endroit le plus bruyant et puant de tout Pop County. Et surtout le seul où mon petit pouce merde arrive à dormir quand il est tombé de vol. Il est justement dans son lit. Son nom, c'est Blade. Ouais, c'est le fils de mon cousin Hurt, on l'élève tous les deux. Mais je vais te dire, il tient sacrément de son père. Il adore les proutes et l'ambiance fusillade, c'est plus radical que de le percer. Bon, techniquement, ce trou à rat appartient au ravageur, mais...
Mais Orc et moi, on est planqués là depuis que le gamin fait ses dents. Ça me brise le corps quand je vois pleurer ce pauvre petit gars. Enfin, bref, ces connards de ravageurs essaient de reprendre l'endroit tous les soirs depuis qu'on est là. Alors bon, jusque-là, on a dû bien repousser. Mais je suis un peu débordé en ce moment, je vais pas te mentir. Alors bon, est-ce que tu pourrais peut-être me faire une faveur, être sympa et aider une maman en détresse? Je veux dire, j'ai préparé des pièges avec des tuyaux à haute pression, mais il faut encore les armer. Je sais plus où donner de la tête avec Blade. Je voudrais juste souffler 5 minutes. Je sais pas, je suis à un coup, il me rasait sous les bras. Disons que je vais t'aider en restant ici. Faut que t'actives les pièges, alors cherche les conduits de vapeur sur les passerelles. Bon, malheureusement, je ferai pas ça tout de suite. C'est rendu quand même 11h33. Puis il y a travail demain. Ah, je peux pas l'enregistrer. Bon. Si je fais ça, ça prend combien de temps? Je cache, il va y avoir faire des pièges, après ça une attaque, après ça une autre affaire, une autre vague peut-être. Donc non, je pense que je vais quitter la zone. Je vais quitter la zone, puis sauvegarder. Normalement, si je quitte la zone, je peux te sauver, là? Même pas! Hey, bonsoir, miaou. C'est comme miaou. Il veut pas que je sauve. Ok. Je peux-tu, comme, sortir de cette mission, d'abord? Baby statue sportif, quoi? Pardon, on va jamais arriver à défendre. Ouais, c'est ça. Je vais revenir. 5 minutes ou 10 minutes? Je suis certain que ça va durer presque 10 minutes, ça. D'accord, on va revenir. On va y faire. Puis, comme ça. Quoique, j'aimais bien l'autre pistolet que j'avais tout à l'heure. C'était un parc géothermique ici avant les bombes. Des sources de chaux transformées en marée. Cool, cool. Bon, maintenant fais grimper la pression avec la valve centrale. Allez, fais ce que je dis. La valve centrale. Sympa pour le coup de main. Je veux dire, entre le bébé et ses pites masquées, ça fait des nuits que je t'en prie. Si tout va bien, ces pièges devraient repousser ces connards ce soir. Mais assez de parler de moi. Tu m'as bien aidé et ça mérite une récompense. Alors voilà, Orc et moi, on fabrique notre gnôle à nous. Et on a une petite réserve spéciale pas dégueulasse. On partage juste avec nos amis les plus proches. D'accord. Buvez avec Sharky. D'accord. Buvez. C'est quoi, c'est quoi? Pas très poli. Ah, c'est ça. Moi, te dire que c'est pas des manières. J'aurais peut-être dû te prévenir. Ah ouais. Notre goal, c'est de l'éthanol pour les bagnoles. Ah. Mais il est fou. Non, mais.
Non mais quelqu'un. Note de recueil pour Blade, je sais. Tu sais pas lire, je comprends pas. Tu peux pas être loin de toi. Au revoir, c'est ma faute. Des fois j'oublie que tout le monde a pas un fou en béton comme Urk et moi. Oui, Urk, t'as un paquet de terreaux masqués qui approche. Je suis dans le nid avec Blade sur le lanceur de tonneaux, mais ils sont trop nombreux pour moi tout seul. Ah bah, c'est que là, tous les coups sont permis. Pas touché aux pièges, c'est des pièges qui sont censés leur faire le cul. Sinon tu veux bousiller notre système. Ah ah. Machine gun. Laisse la plus grande musique jamais inventée te pénétrer pour envoyer. Ok, les voilà. Alors mon trésor, tu veux aider maman à exploser les méchants, c'est ça Blade? Ouais, ok, appuie sur le bouton, voilà, bravo. Oh, je suis tellement fier de toi là, je crois que je pourrais chialer. Oh merde. Ta putain de talon inné. Qu'est-ce qu'ils sont? Toujours Gasman. Je me suis fait prendre par derrière, non mais... Hey,
shot pour un bébé. Ouais, complètement merdique. Oh, dark shot. Entre le métal rouillé et les vapeurs de soufre, je sais pas trop à quoi je pensais. On ferait sûrement mieux d'aller à Prosperity. Je vais aller m'installer là-bas. Viens me voir si tu veux que je t'aide à fabriquer des jouets qui font boum, ok? Font boum. Yes, on vient de rajouter. Et voilà, il en manque plus qu'un. Maintenant, on va pouvoir sauver. Et quitter enfin correctement. Sans tout perdre. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de revenir. Ce mercredi, ça va être The Division 2. Demain, peut-être que je vais faire une diffusion. Mais comme je me serai couché tard ce soir, faudrait que ce soit une courte diffusion. Malheureusement, il faut que je fasse la critique du jeu. Et puis que je passe à un autre jeu. Malgré que j'adore le jeu. Très le fun. Donc, je vous souhaite donc, c'était Richard, le Radar Gamer, sur Mixer, sur Twitch, sur YouTube aussi. Vous pouvez nous trouver facilement. Et puis, sur Twitter, c'est Rick l'Artist, Rick underscore l'Artist, ou barre en dessous, soulignement. Je vous souhaite bonne nuit, ou bonne journée, et jouez à la prochaine.